Yeah, Kina Grannis. Daystorm. Yeah, I'm here, y'all. Yo, you know how I do. Kina about to kill him. Get him, girl. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui sur ma chaîne, je suis avec Catherine. Donc on a décidé de faire un tag, ben le tag de Noël, mais on a comme divisé en deux parties. La première partie est sur sa chaîne, donc je vais mettre le lien dans la barre d'info, vous irez voir. Puis nous on va faire la deuxième partie, puis dans le fond on a comme mixé trois tags en un genre. Fait que c'est ça, les questions, on en a 10, donc on va commencer. Donc première question, quand devais-tu énerver pour Noël? Ben moi je pense que c'est... À cause des magasins, tu sais, ça commence tout de suite après l'Halloween. Fait que, ouais. Après l'Halloween, ouais. Quand il y a la première neige, là, un peu, tu sais. Ouais. Moi, ça serait, ouais, c'est ça. Moi, ça serait plus comme quand il y a la neige, puis ouais. Quand c'est genre décembre. On dirait que ouais, c'est plus décembre. Noël, genre que avant ça, je pense pas. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mi-novembre, ouais. Là, ouais. Pas tout de suite après l'Halloween. Ouais. Parce que moi, novembre, c'est comme ma fête. Ah, ouais. Tu sais, 18, genre, fait que je pense plus à ma fête. Puis là, après, genre, quand c'est décembre, je suis comme plus c'est Noël, ouais, là. J'avoue, ouais. Ouais. Deuxième question, as-tu encore un calendrier de l'Avent? Moi j'en avais un tous les années, sauf cette année. Cette année j'en ai pas eu. Ouais, l'année passée j'en avais un, mais tu sais, comme un chocolat normal, là, t'es poche, genre pas bon. Là. Pas bon, genre du tout. Ouais, c'est ça. Mais là cette année, je voulais en acheter un, mais j'ai jamais acheté un. Normalement j'en ai tout un, par exemple. Ouais. Moi je sais pas vraiment, là, j'ai jamais vraiment eu ça. Genre, pas quand j'étais jeune, j'ai peut-être eu genre une couple de fois, mais. Maintenant, genre. Même quand t'étais jeune, t'en avais pas? Pas tout le temps. Ah ouais? Sérieux, ah non. Non. Tout le temps. Je sais pas, mes parents, ils pensaient pas à ça. Je voulais pas que vous mangez du chocolat. Ouais, c'est ça. Tous les jours. Autre question, décris-nous une journée typique de Noël. Et moi, c'est vraiment différent tout le temps, là, mais mettons, normalement, c'est un souper de Noël, puis après ça, on déballe les cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est un souper de Noël, pis ça dure pas vraiment tard, moi, d'habitude. Fait que c'est ça. C'est un souper de Noël, on déballe les cadeaux après. C'est un échange de cadeaux dans ma famille parce que on donne pas les cadeaux à tout le monde. Ok, ouais. Pis C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On joue à des jeux, ouais, des fois après. Bah, ouais, on joue à des jeux genre aux cartes ou à Pictionary, ouais. Genre. Ouais. Moi, c'est plus comme, mettons, le 24, on va chez des amis à mes parents. Pis c'est comme juste leur petite famille, genre ils nous invitent parce que ça fait longtemps qu'on les connaît. Pis, tu sais, on y va tard, on soupe là, il y a comme plein de petits. Tu sais, genre un genre de buffet, si on veut. Mm-hmm. Pis, on revient comme dans la nuit, si on veut, chez nous. Pis là, on déballe les cadeaux. Pis, le jour de Noël, je vais comme du côté. Ben, cette année, ça dépend, là, mais cette année, je vais du côté de mon père, genre, avec mes cousines, tout, tout. Pis, on soupe là. Pis, on veille là, dans le fond, là. Fait que c'est pas mal ça, là. Mm. Pis, souvent, au jour de l'an, comme, je vais aller de l'autre côté, genre, du côté à ma mère. Mon jour de l'an, y'a rien. Y'a rien. Ouais. Mais y'a pas grand monde qui fête jour de l'an, honnêtement. Là. Ouais, ben avant, c'est arrivé une couple de fois parce que ma famille faisait quelque chose jour de l'an. Mais nous, non, on c'est plus entre amis, genre, moi, là. Mais ouais. Même à ça, c'est dur de trouver des amis qui fêtent pas avec leur famille ou qui ont tout déjà quelque chose. Non, mais... c'est ça. Ouais. Prochaine question, que manges-tu dans ton souper de Noël? Moi, j'aime vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'on mange au souper de Noël? Mais c'est tout le temps comme de la tourtière. Du bouilli, des ragoûts de boulettes. Du bouilli. C'est quoi d'autre? C'est tout, je pense. Puis genre des desserts comme la bûche de Noël, puis okay, des petits gâteaux de Noël. Enfin, non, ouais. Moi, c'est plus c'est que pas le traditionnel québécois, genre. Ouais. Ben, moi, si on va chez ma grand-mère, c'est genre, elle fait venir un genre de buffet, là, de traiteur. Fait que c'est genre des petits sandwichs, puis des petites salades, puis des petits trucs de même, genre. Mais. Sinon, si je vais du côté à mon père, ils font vraiment un souper, genre, tu sais, ils font, là. Fait que je sais pas, tu sais, l'année passée, c'était quoi? C'était genre, pas du steak, de quoi de même, là, genre, tu sais, un bon souper, là, avec la salade pis tout, genre. Mais, ouais, tout ça. Pas mal ça. Ouais. Prochaine question, as-tu des traditions de Noël? Mais j'en ai plus maintenant, là. Avant, on avait tout le temps notre petit pyjama de Noël, puis on déballait les cadeaux tard. Mais je pense qu'on faisait comme une sieste parce qu'on se réveillait comme vers minuit puis on déballait les cadeaux. Mais maintenant j'ai plus mon petit pyjama de Noël. Puis... Mais c'est ça, fait que je pense que c'est la seule tradition qu'on avait. Ouais, moi j'ai pas vraiment de tradition. On écoutait le bye-bye le jour de l'an, toute ouais. En famille, mais. Mais moi j'ai jamais eu vraiment de tradition, là, honnêtement. Là.
Non, mes parents sont pas tant tradition puis petite bébête de même, genre, vraiment pas, fait que c'était genre on se levait le matin puis on allait genre réveiller nos parents, genre on veut déballer les cadeaux puis était comme t'sais, mes parents ils étaient vraiment tard, fait que ils étaient comme rendus 11h puis était comme OK, on va les commencer à déballer, tu sais. Ouais. Mais nous on était levés genre à comme 7h le matin, là, on avait juste 3 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'était pas mal ça, mais sinon on a vraiment pas de tradition là. Quelles sont tes chansons de Noël préférées? Moi, je pense que c'est Have Yourself a Merry Little Christmas. Puis Oh Holy Night. Je sais même pas. Sinon. En plus, mais... hier, on met de la musique de Noël tout le temps, mais j'ai pas mal. Moi, j'ai envie de travailler dans un centre d'achat, j'étais carrée dans un. Moi, j'en entends pas. C'est dans l'autre bout du magasin. Non, nous, il y en a dans le centre, plus dans notre magasin. Genre, fait que. Ah, ouais. J'étais carrée tout le temps les mêmes en plus. Là. Moi, celle que j'aime, mettons, c'est All I Want for Christmas is You. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. All I Want for Christmas is You. Ah, mais Santa Claus is coming to town. Ouais. C'est vrai, nice, ouais. Ouais. Genre, ceux qui sont entraînantes, genre, ouais. Puis comme, ouais. Parce que Oh Holy Night est fun à chanter pour moi. J'aime ça la chanter. Bon. Mais, ouais, sinon, ça me tape ses nerfs un peu les chansons d'elle, honnêtement. Je suis pas du genre que je vais l'écouter toute seule dans mon salon. Genre, wouhou, peur. Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas. Non. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? C'est un peu chien comme question. C'est un peu chien, ouais. Mais, probablement quand j'étais jeune, parce que maintenant, tu sais, on sait pas mal tout c'est quoi nos cadeaux d'avance ou, ouais. Tu sais, c'est des cadeaux que, je sais pas, on s'achète qu'est-ce qu'on veut vraiment, fait qu'on donne à Noël, on reçoit des affaires qu'on a pas tant besoin, mais que c'est le fun à recevoir, ouais, c'est ça. Fait que, ben je dirais quand j'étais jeune, quand on a reçu GameCube, c'est tout le temps fun à recevoir, ouais, une console. Vraiment. Ouais, sinon, mais quand j'ai reçu la Wii, mais j'étais quand même vieille, fait que j'ai pas créé tant capoté, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais c'était le fun quand même. C'était des gros cadeaux là, t'sais, sinon je recevais tout le temps pas mal plein de petits cadeaux et non comme des gros cadeaux. Gros cadeau, ouais, c'est ça. Mais des fois, ben, quand on est jeune, on dirait que c'est plus fun d'avoir plein, ouais, de cadeaux, t'en as plein à déballer que genre un gros là. Ouais. Mais moi je dirais que c'est peut-être genre quand j'ai eu mon premier cellulaire là. Genre à clavier là, que tu flippes, ben il était orange en plus là. Tu flippes de même genre, puis il y a un petit clavier là, puis j'étais full énervée parce que c'était mon premier cellulaire, j'étais comme ma gueule. Ben je savais que j'allais avoir ça à Noël là, mais... Ouais. J'avais juste trop hâte de pouvoir l'utiliser, genre. Sinon, en 2010, il y a 3 ans, genre, j'ai eu mon MacBook Pro, là. Mais c'était mon cadeau de fête et Noël, genre. Ouais, donc, mais quand même. Puis ça, j'étais vraiment, vraiment contente. J'avais pas d'ordi portable, genre, avant, mais c'est comme le premier que j'ai eu, fait que j'étais full énervée. C'est vraiment un beau cadeau, ouais. Ouais, j'aimerais ça avoir à date, mais je sais que... Ah, moi aussi, ça, ce serait mon plus beau cadeau cette année, mais je sais qu'il faut pas que je m'attende à rien, parce que... Ah non, c'est ça, moi non plus, là. Moi, j'ai juste pas de cadeau, parce que c'est mes pneus d'hiver, ouais, là, comme, fait que... Mais t'sais, j'ai peur des petites affaires, là, mais je sais pas. Mm. On verra. Ouais. Ok, ensuite, l'autre question, un vrai air de Noël ou un faux? Moi, ça a tout le temps été des faux. J'ai même déjà eu un... genre un arbre... pas un sapin, genre. Pas un sapin. Ouais, c'était vraiment laid, là. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi qu'on a pensé, parce que... Ben, je pense pas que j'ai déjà eu des vrais. Moi non, moi en tout cas non. Là. Parce que moi, mon père avait ramené juste un arbre, genre, pas de feuilles. Mais un vrai? Ouais, ben oui, là. Ok, ça s'achète pas. Personne va faire ça. C'est un arbre. Ouais, mais pas de feuilles, puis on avait mis plein de guirlandes dedans. Pour vrai? Dans le fond, ouais, c'était... Mais... C'était pas un sapin, c'était genre un... Un érable, genre, maintenant. Ok, ouais. C'est vraiment bizarre, mais je suis sûre que dans ta tête, tu t'imagines... Ouais, je sais pas, qu'il y a juste pas de feuilles, ouais, puis genre les petites branches. Juste des branches. Mais ouais, j'ai envie de me rappeler de ça. Mais c'est ça, non, je pense pas que... Ben, sûrement qu'on a déjà eu des vrais, mais je m'en rappelle pas. Mais sinon, moi, ça a tout le temps été des faux. Ouais, moi, c'est tout le temps des faux. Je m'en rappelle tout le temps de monter l'arbre, tu sais, comme... Ben oui, qu'on les trois branches, genre, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Que... Des faux, de toute façon, c'est dangereux pour le feu. Ah, c'est vrai, ben vrai. As-tu déjà cru au Père Noël? Moi non. C'est pour ça qu'on a jeté cette question-là, ouais, parce que moi j'ai jamais cru au Père Noël. Parce que mon frère est plus vieux, puis mon frère s'est rendu compte que ça marchait pas, qu'il y avait plein de Père Noël, pareil, partout, un peu partout. Fait que quand mon frère, ben, ma mère a décidé de pas me le faire croire après que mon frère, lui, il croyait pas. Fait que tu sais, ça valait pas. Ça servait à rien, ouais. Fait que j'ai jamais cru à ça. Fait que je sais pas c'est quoi la vraie magie de Noël. Oh, c'est so sad. Jamais. Ben moi oui là, quand j'étais jeune, là, comme même à un moment donné, mes parents avaient mis genre des pots genre
de genre de neige là, puis qu'il disait que mon père avait dit, oh, je me suis réveillée dans la nuit, j'ai entendu du bruit, puis j'ai vu genre le Père Noël dans le foyer, genre puis tout, puis moi ma chambre était en bas, puis j'étais comme, c'est-tu vrai, nanana, puis j'y croyais full là, fait que... Ouais, ce qui est drôle, c'est que moi mes amis me racontaient ça, puis moi je pouvais rire dans leur face, ouais. Genre je savais que c'était pas vrai, moi. C'est moi ouais, qui l'avais dit à ma petite voisine que c'était pas vrai, puis là sa mère était full fâchée. Oh non! J'avais gâché la machine. C'était moi Grinch. Oh. Ouais, je trouvais ça drôle parce que des fois j'allais chez mes amis puis là ils checkaient les étoiles, ils disaient ah oh, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël, j'ai ouais c'est ça. Oh. Je me croyais trop cool, ouais, genre moi je le savais déjà cool. Genre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ma mère elle voulait pas que je le dise, elle m'avait dit, elle nous avait averti, il faut pas le dire à personne parce que c'est full important là, ça, mm-hmm. Les parents seront pas contents si je le dis. Mais non, c'est clair là. Ouais. Mais comme moi j'étais la plus vieille, mais je suis la plus vieille dans ma famille, fait que... T'sais, j'étais obligée de... Ben non, ils me l'ont fait croire, fait que t'sais, j'y croyais, pis là, ma soeur pis mon frère, t'sais, fallait qu'on les fasse croire aussi, là, fait que t'sais, genre, je restais dans ma gêne, genre, pour faire croire, là, ouais. C'est ça. Pis la dernière question, c'est, aimes-tu emballer tes cadeaux de Noël? Moi, j'aime ça, parce que je suis full perfectionniste, là. Okay, j'aime ouais. Ça full bien fait. Ouais, ouais. Fait que, ouais, pis je sais quand ça fait un beau petit cadeau, genre, ouais, des petites décorations ouais, dessus, pis... Ouais, que de le donner, là. Ouais. Quand un cadeau s'emballe mal, là, ça me fait chier. Ah ouais. T'sais, genre que c'est pas une forme normale. Ouais, que t'es comme, merde, je fais ça comme ça. Mais d'autres, on met souvent dans des boîtes genre de céréales ou dans des vieilles boîtes ouais, de okay, trucs. Ouais. Là, ça s'emballe mieux, ouais. Genre. On fait souvent ça. Mais moi, j'aime ça, mais je suis pas tant bonne, vous savez, j'ai un petit peu de misère. Ouais, c'est pas tant. T'sais, c'est beau, là, mais comme, c'est pas parfait, là. Genre, t'sais, les côtés, là, genre avec les petits triangles, là-même, en tout cas, c'est un petit peu mal fait, là, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Ouais, ouais. Ça, mais j'aime ça, mais je perds patience. Je l'ai fait en comme 3 jours, là, parce que j'avais juste comme 5 cadeaux emballés, puis je l'ai fait genre 2, je me suis écœurée, genre, j'ai continué les autres jours, genre. Donc voilà, c'est tout pour le tag de Noël. Donc vous irez voir la première partie là, sur sa chaîne. Je vais tout mettre ça dans la barre d'infos, puis je vais mettre ses liens, sa chaîne, son blog, tout ça, puis je vais mettre mes liens aussi. Fait que voilà, donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!